On va commencer avec des petits accès sur les courroies, étant donné que j'en ai pas fait la, mais en fait mardi, parce que c'était pas lundi. Fait que j'ai pris le premier pour commencer. Fait que, on va lire un petit peu l'énoncé. On a une, on souhaite alimenter un compresseur, donc c'est un petit peu le genre de compresseur qu'on a dans le laboratoire. C'est un compresseur à air. Fait que c'est un compresseur réciproque, donc un piston. Donc c'est comme là-dedans, j'ai un. Ici, j'ai un piston, okay, qui va venir se déplacer. Là, puis là j'ai mon système de bielle manivelle. Ici, j'ai mon comme vilebrequin. Ça bouge. Et donc, c'est l'inverse d'un moteur. Ça vient, on a besoin d'alimenter ce piston-là avec de l'énergie pour le déplacer. Et ce qui va donner évidemment cette énergie-là, c'est notre moteur électrique qui est ici. D'accord? Donc, j'ai besoin de transmettre de la puissance entre mon moteur électrique, la source, et puis mon compresseur. D'accord? Et pour faire ça, on va utiliser une ou des courroies. Okay? Donc, ça peut demander quand même pas mal d'énergie ce genre de système-là. D'ailleurs, si vous regardez si vous retournez dans le laboratoire un jour, vous pourrez voir que sur le gros compresseur Quincy, il y a déjà une poulie double, donc ça demande déjà deux courroies pour alimenter ce compresseur-là. Le but de cet exercice ici, c'est pas de dimensionner la courroie, on fera ça dans l'exercice suivant. Ici, ça va juste d'évaluer les forces qui vont s'appliquer sur l'arbre. D'accord? Rapidement. On a un compresseur électrique qui alimente à partir d'un moteur qui lui va tourner à une vitesse de 1750 RPM. La poulie qui va être montée sur le compresseur ici a un diamètre de comme ça. Un diamètre de 10,6 pouces et on doit fonctionner à une vitesse de rotation de. Donc là, ça va être pour le compresseur. 870 RPM. Okay. On a un rendement là-dedans. Donc le rendement de mon système au complet, ça va être de 97%. Dans le fond, première question. Je voudrais aller chercher le diamètre que j'ai besoin sur mon moteur. Donc le diamètre de la poulie du moteur. Fait que ici j'ai un certain rapport de réduction. Je peux le calculer. Donc mon rapport de réduction, c'est ma vitesse à l'entrée divisée par ma vitesse à la sortie. Puis juste pour rappel, c'est la même chose que pour les engrenages. C'était égal au nombre de dents de la sortie divisé par le nombre de dents à l'entrée. D'accord? Ou le diamètre à la sortie divisé par le diamètre à l'entrée dans le cas des poulies courroies. D'accord? Donc ici, je vais avoir un rapport de réduction qui va être de mon entrée, c'est 1750 divisé par 870. J'ai pas fait ça, moi. Deux, en fait deux. 2,01 2. Et donc si je veux aller chercher mon diamètre, je sais que mon diamètre à l'entrée, c'est ce qu'on a. Je vais le mettre en fait. Et mon diamètre à l'entrée, c'est en fait mon moteur. Ça va être égal à mon diamètre
de mon compresseur, ou la poulie de mon compresseur, divisé par 2, mettons 0,1. J'arriverai théoriquement à 5,3, mais 5,27, 5,3. Puis là, on est évidemment en pouces. Okay. En utilisant une courroie 3V de 81 pouces de longueur, quelle doit être la distance d'anthrax entre le moteur et le compresseur? Il y a plusieurs manières de faire ça. On peut aller. Est-ce que c'est ouvert ça? On peut aller chercher ça dans les tables. Donc si on regarde ici, c'est le même. Faut pas. Ça à chaque fois. Ok. Fait que si je suis dans le tableau des poulies 3V, moi ce que j'ai besoin c'est une 3V tout simplement avec un rapport de réduction de 2. D'accord? Donc je vais aller chercher ici dans ma colonne les rapports de réduction. Donc je suis pas à 2. Non, toujours pas 2, toujours à 1. Hop, c'est pas le bon tableau. Lui, c'est pas une version qui était complète, elle. 5V, 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 3V. Ok. 2. Ok. Ici, j'ai mon rapport de 2,01. D'accord? Donc, j'ai bien. On pouvait aussi trouver le diamètre de la poulie de cette manière-là. Bonjour, Aglaé. Il a l'air bizarre, Aglaé. Elle a changé de. Elle est différente, non? Je me dis aussi. Ah, c'est la barbe! C'est ça! Ouais, elle s'est poussée, elle a envie de se raser aujourd'hui. Ah, ok. Fait on peut aller. On pouvait aussi aller chercher le diamètre de la poulie de cette manière-là. Quand on avait le diamètre de la plus large qui était 10,6, on aurait pu trouver directement le 5,03 ici. D'accord? Avec le rapport de réduction. Ici, nous, ce qu'on veut, on a une poulie de 81 pouces de longueur. D'accord? Donc ça, c'est un numéro 810, on multiplie par 10. Donc on est 450, 540, un petit peu plus loin, on continue. 2,01, il est ici. 800, 810, on serait quelque part par là. D'accord? Donc ce serait un 27,9. Donc dans le tableau, je peux directement trouver la longueur de la poulie. Fait que depuis les tables, si on prend un rapport de réduction qui est égal à 2,01, puis une courroie 3V 810, on arrive à une longueur d'anthrax qui est égale à, j'avais dit 27,9. D'accord? Évidemment, ces valeurs-là, elles ne sortent pas de nulle part. En fait, ils les ont calculées. Là. Ils ont fait ça simplement avec la formule. Donc, on aurait pu également utiliser la formule. Donc, on avait notre formule qui nous donnait que la distance d'anthrax, c'était égal à. Donc, on avait ça dans le PowerPoint. Je pense que je l'ai même d'ouvert. Je vais vérifier un truc. Ah, exactement ici. Donc la longueur dans la longueur C ici, ça va être mon B. Donc il faut que je calcule mon facteur B, donc qui va être 4L moins 6,28 multiplié par D1 plus D2. Et on rentre ça là-dedans. D'accord? Ça ne me tente pas vraiment d'écrire ça parce que ça va être très très long. Donc moi ce que j'ai fait, évidemment, je l'ai mis dans un Excel. Là, j'ai mis ma valeur. Je vais la mettre ici, vous le verrez comme ça. J'ai ma valeur B que j'ai calculée ici. D'accord? Donc 4 fois nanana moins 6,28, etc. Puis ensuite, j'ai ma valeur d'anthrax. D'accord? Donc la valeur exacte d'anthrax n'est pas en fait 27,9, c'est en fait littéralement 27,89265, etc. etc. D'accord? Ce qui correspond en arrondi à 27,9 pouces.
Encore une fois, je vous conseille de reprendre ces valeurs, ces trucs-là, puis les mettre dans un tableur Excel vous-même, là, ou de faire un petit truc un petit peu plus rapide pour vous, là. Puis quand vous allez avoir besoin de le calculer, ben, vous avez juste à mettre la formule que vous avez utilisée, puis le résultat. D'accord? Donc ça va être important quand même de mettre la formule que vous utilisez, au moins que je sache d'où ça sort, pas juste une valeur à l'examen, mais le calcul est pas tant important. Ok, je veux pas vous évaluer sur la manière de laquelle vous rentrez ça dans votre calculatrice puis que vous avez pitonné là. Donc faut juste que vous sachiez où est-ce que vous trouvez les informations puis ensuite les calculer. Donc faites-vous un petit tableur Excel encore une fois là ou volez le mien là puis mettez-le comme vous voulez. Pas mal plus efficace. Ensuite, dans ces conditions d'utilisation normale, le compresseur nécessite 2 HP de puissance. Quel couple doit-on fournir au moteur électrique? Donc, si on fait un petit schéma ici, on va le remettre dans le même sens. J'ai mon moteur électrique qui est relié à mon compresseur. Mon compresseur, lui, il a besoin de 2 HP de 2 HP de puissance. Ici, j'ai un rapport de réduction qui est égal à 2,01. Okay. Puis j'ai un rendement qui est de 97%. Right. Donc, première chose qu'il va falloir. C'est important de faire un petit schéma avant d'y aller. Ça peut nous aider dans le sens. Okay. On sait qu'étant donné qu'on part avec une certaine puissance au niveau du moteur, qu'on doit en donner au compresseur et qu'on a un rapport de réduction qui est ici, ça implique qu'on va avoir une diminution de mon rapport. D'accord? On a un réducteur ici parce que j'ai comme une petite courroie avec une grosse ici. D'accord? Donc, on se rappelle que ma puissance, ici on va le mettre en HP, ça va être en impérial, parce qu'on a des HP puis des pouces, etc. Donc ma puissance, c'était mon couple multiplié par la vitesse angulaire en RPM, dans le système impérial, divisé par notre facteur de conversion 52, 52. D'accord? Et en faisant ça, on trouvait des livres-pieds. Donc mon couple ici était en livres-pieds. Donc ça, si je veux calculer mon couple au niveau du compresseur, y en a qui sont à l'école. Cool. Il fait beau à l'école. Si je veux mon couple au niveau du compresseur, on va avoir mon HP. Donc je vais avoir 2 HP multiplié par 52, 52 divisé par mon RPM qui était au niveau de mon compresseur de 870. Et là, on arrivait à 12,07. Bon, c'est des livres force là quand même. Livres force pied. Right. Ensuite, on sait qu'on a un rapport de. Non. On a un rapport de réduction de 2. On a un rendement de 97%. On peut aller chercher notre couple au niveau de notre moteur. D'accord? Donc, comme. On va rappeler ça plus rapidement. Comme pour les engrenages. Okay, on sait que mon couple à la sortie, on va mettre juste CIS. Mon couple, on va mettre même, enfin c'est plus simple. Mon couple à la sortie, ça va être mon couple à l'entrée, multiplié par mon rapport de réduction, multiplié par mon rendement. Okay?
Donc ici, moi, ce que je cherche, c'est pas mon couple à la sortie, parce que ça, ici, ça, c'est ma sortie, puis ça, c'est mon entrée. D'accord? Donc mon moteur, c'est mon entrée, puis mon compresseur, c'est ma sortie. Okay? Donc ce que je cherche ici, moi, c'est mon couple à l'entrée, qui va être égal à mon couple à la sortie divisé par RE, mon rapport de réduction multiplié par mon rendement. Okay? Donc ce qu'on va avoir ici, c'est mon couple à la sortie qui était en fait de 12,07 livres-pieds. On va multiplier. Écrit. Divisé par mon rapport de réduction, 2,01, multiplié par 97%. Et on crie 0,97. Okay. Ce qui me donne à 6, quelque chose, 6,18. Encore on est encore en livre-pied. Et vous n'êtes pas au bon endroit là. Il a l'air de faire vraiment beau là, je suis jaloux. Je suis comme à Londres. Est-ce que ça va? Quelle force sera exercée sur l'arbre du moteur électrique? Donc on avait Fait on se rappelle que si on a une poulie ici, qui est évidemment montée sur un arbre avec une courroie, on avait un brin qui était tendu, puis on avait un brin qui était mou. D'accord? Puis avec ça, on avait été capable d'évaluer la force ici de tension au niveau de notre arbre. Donc, je vous rappelle ici, là-dedans, on avait, peu trop loin, on avait quelque part par là évalué, d'accord? Que la force de tension exercée sur notre arbre était égale à 3 fois le torque qu'on voulait transmettre, divisé par le diamètre primitif de notre poulie. D'accord? C'est sûr que nous, le diamètre primitif, en fait, on l'a pas. D'accord? Parce que ce qu'on a ici, c'est ce qu'on nous donne dans les poulies, c'est le diamètre extérieur. Si on regarde ici. D'accord? Où t'es, toi? Ce qu'on nous donne comme données ici, c'est le diamètre extérieur et pas le diamètre primitif. D'accord? Si on voulait vraiment avoir quelque chose de précis, on peut aller chercher le diamètre primitif, CTRL F. Une petite recherche de pitch diameter dans les données, ça nous donne ces valeurs-là. D'accord? Donc, on nous dit ici que le diamètre extérieur, évidemment, c'est cette flèche-là. Okay? Et le diamètre primitif, en fait, est situé à une distance A en dessous du diamètre extérieur. D'accord? Et pour les différents profils de courroie qu'on a ici, on nous donne la valeur de 2 fois A. D'accord? Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon diamètre et enlever et soustraire 0,05 ici. Peut-être important, bougez pas, c'est bon. Ouais. Ah. C'est pas important. Commande sera livrée sous peu. Veuillez vous C'est pas important, désolé. Continue. Ça aurait pu être pire, genre, comme arrêt. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre finalement mon diamètre extérieur que j'avais. Donc, pour mon moteur, on avait une poulie qui avait un diamètre de 6,18. Puis à ça, si je voulais être précis, il faudrait que j'enlève 0,05 pouces. D'accord?
Ça change vraiment pas grand chose, ça va vraiment pas modifier les résultats. Donc on pourrait rester avec le diamètre extérieur, ça fonctionnerait relativement bien quand même. D'accord? Mais dans le solutionnaire, je vous ai mis les deux possibilités pour pouvoir comparer. Non. Si je veux évaluer ma force ici, qui va être exercée sur l'arbre, de tension, on a dit que c'était 3 fois le torque au niveau de la poulie divisé par le diamètre. D'accord? Théoriquement, diamètre primitif, nous on va prendre le diamètre extérieur ici. C'est-à-dire 3 fois 6,18. Qu'il va falloir que je mette. Donc ça c'est en livre pied. D'accord? N'oubliez pas de le mettre en pouces. Donc on va multiplier par 12. Pour le mettre en pouces. Divisé par mon diamètre. Donc ici j'avais. Pardon, j'ai dit le torque. C'est pas le diamètre. Mon diamètre c'était 6, pardon. On l'a calculé ici. Pardon, 5,3. 5,3, pas 6,18, j'ai dit n'importe quoi. Ouais. On fait ça. On arrive à 42,03. Bon, mettons 42, là. Plus rendu à cette précision-là. 42 livres force. Ça va? Question? Tout va Moi j'en aurais une. bien? Ouais. Il sort d'où le 5,3? Ici? En quel diamètre du moteur? Pas le diamètre du moteur, le diamètre de la poulie, ouais, se monter sur le moteur. Ok. Super. Donc, on continue? Je pense que Val est toujours pas arrivé. Non. Trop de trafic. Ah ouais. Moi j'ai une petite question. Vas-y. Pourquoi quand on est allé chercher le diamètre primitif sans le utiliser? On pourrait, ce que je disais, c'est qu'on peut l'utiliser, mais il faut que j'enlève 0,05 à ça. Ok, c'est négligeable. C'est pas mal négligeable, effectivement. Ok. D'accord. Mais si vous regardez le solutionnaire, là, je vous l'ai expliqué rapidement. Là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai calculé avec le diamètre extérieur. Puis ici, j'ai été justement chercher le diamètre primitif, mais ça change vraiment pas grand-chose. Si on le Avec fait la main, est-ce qu'on ici. peut utiliser le diamètre normal ou vous voulez qu'on utilise le diamètre primitif? Non, non, vous pouvez. Je voulais même pas montrer en cours de toute manière ça. Ok. Okay, c'est, fallait penser à aller chercher ça dans les tables, puis il fallait penser que ça pouvait exister dans les tables aussi. C'était pas évident non plus faire ça. Ok, c'est bon, merci. Peut continuer avec un autre exercice. Ouais, j'irai. Ouais, je prendrai une pause après. Ouais. Fait, ici, on va essayer de faire un système un petit peu plus complexe. On a une transmission par courroie. Une transmission par courroie au début. Donc là, on a c'est un four de. C'est un four à ciment, donc c'est un four rotatif. Donc je pense qu'on avait vu ça la session dernière, je pense. Plus sûr. On avait parlé un petit peu du béton. Moi je pense qu'on a fait ça la semaine la session dernière quand on a parlé du béton en 0,8 là. Peut-être pas tout le monde. Mais pour fabriquer du ciment, on a besoin de faire passer notre minerai par une espèce de gros four qui va avancer puis qui va tourner. D'accord? Puis on va avoir des plages de température différentes. Okay? Évidemment, ce four-là tourne vraiment, vraiment lentement. Là, on parle de. J'ai mis 2 RPM, je pense. En tout cas, c'est dans les 1 ou 2 RPM les vitesses de rotation, donc c'est vraiment, vraiment lent.
On voit que pour faire tourner le four ici, on a une transmission par chaîne. Donc c'est cette chaîne-là qui va tourner puis qui va faire tourner notre four. Notre chaîne ici est accouplée à un réducteur de vitesse. Donc vous pouvez voir que ça ressemble un petit peu à celui qu'on avait démonté en laboratoire. Donc le réducteur double étage que vous aviez, c'est ce genre de choses-là. Donc on peut utiliser dans ce genre d'application-là. Et finalement, ce réducteur-là est alimenté par un moteur électrique à travers, on ne le voit pas nécessairement super bien parce que c'est dans l'ombre, mais à travers ou par le biais d'une poulie, ou plusieurs poulies. D'accord? Donc on a tout un système qui est complet. Okay? Donc, une compagnie désire modifier un design de four à ciment rotatif pour y intégrer une transmission par chaîne. Okay. Le four doit tourner une vitesse de 2 tours par minute environ, donc on sera libre un petit peu de modifier cette valeur-là. Et le moteur électrique tourne, lui, à 1200 RPM. Il alimente un réducteur de vitesse dont le rapport de réduction est 39,24 pour 1. Donc ça, c'est le rapport du réducteur qui est ici. Et le réducteur est lié à un moteur électrique à l'aide d'un système de courroie trapézoïdale. On va utiliser un profil classique, donc c'est tout ce qui était A, B, C, etc. On n'a pas de rapport de réduction, on y va avec du R est égal à 1. À la sortie du réducteur, on a la transmission par chaîne qu'on a parlé juste avant. On utilisera un facteur de service de 6, donc ça va être pour le KS pour trouver la puissance de service. Autour du four, on trouve. Ok, autour du four, donc ici on voit le pignon qui est énorme en fait. Et lui va comporter 238 dents. On a un moteur de 50 HP. On négligera les pertes rendues là. Et on utilisera les catalogues OK Moodle. Okay. Donc, on commence Excuse par. Sébastien, j'aurais une question sur ça. Ouais. Dans le fond, dans le corrigé, là, ben, je sais pas si vous voulez faire avec les valeurs du corrigé ou celui-là, mais le RPM n'est pas pareil, puis le HP non plus. Dans le corrigé, le HP c'est 20, le RPM c'est 1160. Ah oui, ouais, j'ai ça, effectivement, j'avais changé ça. Je l'ai changé. Ah oui, je l'ai changé parce que la vitesse des moteurs aux États-Unis, là, c'est effectivement, c'est du 60 Hz. Mais si on enlève le facteur de glissement qu'on a dans les moteurs synchrones, on arrive à une vitesse moyenne de 1160. C'est pour ça que ces données-là sont. C'est pour ça que, effectivement, c'est dans l'énoncé que j'ai oublié de modifier ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Je vais modifier ça tout de suite. Je vais réexpliquer ça un petit peu plus clairement. Où est-ce qu'il est? 1200, ok. 160 et on avait HP. Si on regarde les données ici, pour les ça c'est donc ça c'est les vitesses moyennes de rotation des moteurs électriques donc aux États-Unis 60 cycles par en fait 60 Hz. Puis en Europe, 50 Hz. Donc c'est basé sur la fréquence du courant électrique ici. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas le 1200, c'est pour ça que j'ai changé à 1160 pour être plus précis. Okay. Puis le 20, parce que sinon on tombait dans des valeurs vraiment, vraiment trop grandes pour les courroies. Donc ça, donc on va, je vais modifier ici lui. Donc ça. On va prendre. Ça m'évitera de refaire mon copier-coller. Donc ici, on parle de. Où est-ce qu'il était? 1160. Et puis là, on avait 20 Hz. 20 HP, pardon. Okay. Ça va comme ça? Trente HP, pardon, c'est ça?
C'est 30 HP. Ben, hier, c'était 30 HP dans le cœur G. Puis là, ce matin, c'était écrit 20 HP. Ben, je viens de le changer. Ben, parce que tu m'as. Je pensais que tu m'avais dit Ouais. 20. Non, c'est 30. Hein. Ben, dans le cœur G, c'est 20. Non. Mais hier, c'était 30. Ah non, ok, ça, c'est le 2. Ok, Ouais, ouais, je c'est le pense que 2. c'est C'est le 30. 2. Ouais, c'est bon, c'est 30. Ça Okay. fonctionne. Ouais. On y va avec 30 et 1160. Okay. Bon, c'est juste des valeurs. Le reste des calculs reste pareil. Souvent, c'est pour que ça fitte bien aussi avec les tableaux qui existent dans les catalogues. Là. Ça évite de les appeler si ça ne fonctionne pas. Fait, déterminer le profil de courroie le mieux adapté pour cette application. Encore une fois, ça, c'est un problème de sélection. Donc, on va aller ici. Mon côté aussi. Donc, on y va ici pour sélectionner notre facteur. Je pense qu'on disait que notre facteur était de 1,6 de toute manière. Je pense qu'on nous le donnait dans les. On nous le donnait dans l'énoncé directement, lui. Ok, on nous disait ici, on prend un facteur de service de 1,6 pour la détermination de la puissance de service. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le tableau. Ici, KS est égal à 1,6. Peut-être écrire aussi la question. Courroie. Donc ici, on a KS qui est égal à 1,6. Et donc, on a la puissance de service qui est égale à notre puissance nominale. On avait 30 HP multiplié par 1,6. Donc on arrive à environ 46 HP. 48 HP. Valeurs. 48 HP. À partir de cette puissance-là, puis de la vitesse de rotation, donc on avait de la vitesse de rotation de notre moteur qui était de 1160. On peut aller chercher dans les tables. On n'a pas une courroie étroite, on a une courroie classique, donc on va aller se placer ici. 1160, on est quelque part par là, sur cette ligne-là. D'ailleurs, est-ce que je peux faire un. Avec 1160, par là. Va? Oh, pardon. 1160 et on avait dit 46, 48 HP, donc environ 50. Un petit peu avant 50. On serait quelque part par là, un petit peu avant peut-être là. Pas mal proche des BP, plutôt entre B, BX ou BP. D'accord? Monsieur, Yep. comme ça qui a fait clair, là, c'est où est-ce qu'on va le chercher? Sur Moodle? Là, les documents. Documents complémentaires, donc sur Moodle. Ok. Puis ça le cale des trois pour les crevettes. Suite de Gates pour les Ok. V-belts. Ok, c'est bon. Pour l'examen, allez-vous comme mettre tous les documents qu'on aura besoin dans l'examen dans le fichier d'examen ou il faut courir à travers le Moodle pour trouver tout? Ben, vous avez trois fichiers. Faut pas tant Ah, ok, courir que très ça. bien. Ben, c'est ça que je voulais. Ouais. C'est beau? Dans la même place. Ouais. Vous pouvez les ouvrir évidemment avant. Sûrement, ce sera fait. En fait, vous voyez pas, je l'ai pas montré. Pardon. Montrer des choses que vous voyez pas. Et finalement ils sont là. Donc on est dans les données pour les courroies et chaînes, puis c'est dans les c'est ici. J'ai été dans le document complémentaire.
C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de fouiller dans toutes les notes de cours, genre, mettons dans les PowerPoints. Non, vous n'avez pas besoin de. Ben, évidemment, les formules, ce genre d'affaires-là, oui, mais je vous conseille de Ouais. faire un petit fichier Excel pour vous embêter le tracas d'avoir à calculer ça sur votre calculatrice, là. Faites-vous un petit fichier avec toutes les données. Mais évidemment, à l'examen, je vous demande quand même au moins les calculs. Enfin, pas les calculs, mais comment on pourrait dire? Une preuve que vous avez fait un calcul, d'accord? Donc, si vous utilisez une formule, vous m'écrivez la formule, possiblement symbole, de manière symbolique, puis ensuite vous mettez la réponse, d'accord? Alright. Fait que si on prend ça, on tomberait à peu près sur une. Pourquoi pas une Predator, là. C'est quand même cool comme nom, Predator. Évidemment, après, on est toujours libre de modifier notre choix si jamais on voit qu'on a besoin de trop de courroies, par exemple. Quoi, si on se rend compte qu'on se ramasse avec 6 courroies, ben pourquoi pas aller vers une autre. Mais la BP devrait fonctionner pas mal. Ce qu'on pourrait faire aussi à la fin, c'est vérifier que pourquoi pas une B ou une BX suffisent aussi. Ça coûterait probablement moins cher aussi. Quel est le diamètre minimum de la. Donc là, on a fini la question 1, on a déterminé le profil de la courroie qui est le mieux adapté. Mais finalement, le BP, ce serait un choix, mais on pourrait essayer aussi un B ou BX si jamais on voulait. Quel est le diamètre minimum de la poulie? Donc là, encore une fois, on va aller rechercher dans nos tables. Donc on avait dit que pour. En fait, à cause de la tension qu'on va exercer sur l'arbre de notre moteur électrique à l'entrée, il risque d'abîmer un petit peu les roulements, il risque d'abîmer l'arbre, etc. Donc il fallait qu'on regarde un petit peu quel allait être le diamètre minimum pour la poulie qui va être montée sur le moteur. Okay. Alors, si on se rappelle la formule qu'on avait utilisée juste avant, on remarque que la tension. Okay. La tension ou la force qui va être exercée sur notre arme dépend évidemment du diamètre de la poulie. D'accord? Donc si je diminue mon diamètre de poulie ici, ma force va venir augmenter. Donc, on ne veut pas qu'elle appuie trop sur l'arbre de notre moteur. D'accord? Donc il faut qu'on monte à une certaine valeur de diamètre pour pas trop appuyer sur l'arbre. Donc ça c'est donné par la société NEMA, bah, pas la société, mais la fondation NEMA là, qui s'occupe des normes sur les moteurs électriques. Étant donné qu'on a choisi une courroie de type high power, donc celle qu'on avait ici, c'est high power V belt, high power bend, power bend belt, etc. Tree power, ce genre de choses-là. Il faut qu'on utilise le tableau qui est à droite, d'accord? Donc celui qui est ici. Nous, on a un moteur qui a une puissance de 30 HP et il a une vitesse de rotation de 1160 RPM. Donc lui, il nécessite un diamètre minimum de poulie de 6,8 pouces. Si on passe en dessous de 6,8 pouces, on risque d'abîmer trop rapidement les roulements puis les arbres qui sont dans notre moteur électrique. Je pourrais prendre ça, je pense. On pourrait le mettre. Sébastien, c'est quoi le. C'est dans quel document vous checkez ça? Le même. Ouais, ça veut dire? C'est toujours le même document que celui où on a été chercher les types de courroies. Ok. Donc celui que je viens de parler juste avant, on allait chercher dans Moodle ici. Là. Lui. Donc, lui, c'est pour les courroies en V, trapézoïdales. Lui, c'est pour les courroies synchrones, donc celles qui ont des petites dents. Et ça, c'est pour les chaînes. Donc,
Ouais, ok. Non. Pour un moteur de 30 HP qui tourne à une vitesse de 1160 RPM, on trouve un diamètre minimum qui est égal à 6,8 pouces. En rouge, ça. Quel diamètre de... Ah ouais, excusez-moi. Donc ça va pour le diamètre minimum. Donc c'est toujours le même, même document. Est-ce que c'est une question ça? Ouais, ça me... Mon fils veut un bac à sable. Je construis un bac à sable. Okay. En utilisant des poulies de 8 pouces de diamètre, combien de courroies est-ce que ça nous combien de courroies est-ce que ça nous prend? Okay. Donc on a un rapport de réduction de 1. Notre rapport de réduction, c'était 1,0. On veut un diamètre de 8 pouces. On va aller voir dans notre tableau qu'est-ce qu'on a. C'est pas le bon truc, ça. Ici. Okay. Bon. Encore une fois, donc dans le même document, ici, si on continue un petit peu. Je vais vous fermer parce qu'en fait, ok. Ok, donc on descend un petit peu. Là, on tombe dans les données techniques de longueur et tout ça. Donc, j'avais un rapport de 1. Donc, on est dans toute cette première partie-là. Okay, et je veux des poulies de 8 pouces. D'accord? Donc, 8 pouces, c'est bien supérieur à notre 6,8 qui était le minimum. Donc, on continue. On voulait, je pense, une distance. On devrait avoir besoin d'une distance d'entracte, j'imagine. Venir. Chiant de se balader à chaque fois. Oui, on a une distance d'entraxe de 36 pouces. Hein, donc on va aller chercher pour une distance d'entraxe de 36 pouces. À peu près. Donc, prendre cette ligne-là. Donc, distance d'entraxe est ici. Donc 8,7, 9,9, 10,6, etc., etc. Donc ça, c'est trop petit. On passe à la page suivante. Donc toujours pareil. 1 et... 8. Ah, on arrive ici. Ok. Donc j'ai le choix entre 34,9, ça a l'air trop petit. 36,1, c'est pas mal proche de 36, ça. Et 37,4. D'accord. Donc mon plus proche, ce serait probablement 36,1. Ok. Donc, je vais l'écrire. Normalement, vous voyez un petit peu. Fait que ma distance d'entraxe la plus proche, c'est 36,1 pouces. D'accord. Et ce qui est important là-dedans, c'est que ça nous donne. Le facteur ici de puissance, d'accord. Donc on est dans le gris juste après le blanc, donc on a un facteur ici de 1,1, le gris foncé. Okay. On va mettre un. Comme ça. 1,1. Et à partir de ce facteur-là, on va pouvoir aller chercher la puissance. Donc là, il faut descendre un petit peu. Donc, il faut aller après toutes les courroies 3V, 5V, 8V. Donc, on descend, on descend, on descend, on descend. Et juste après les données, on trouve les tableaux là. D'accord, ceux qui sont pas dans le bon sens. Donc, oh, je me suis trompé. Je pense que j'étais dans une 3V. Alors qu'on devait aller dans les A, pardon. Ou dans les B, excusez-moi. Allô? Ouais. Je me suis trompé, j'étais dans les 3V d'habitude. On avait une B, on a dit. Hein. D'accord. Donc il fallait descendre encore. Donc là je suis rendu à la page B72. Ok, donc là je passe dans les courroies classiques. D'accord. Donc A, moi c'est pas une A que j'avais, c'était une BP que je voulais. D'accord. Donc A, 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 encore A, encore A, encore A, encore A, encore A. A, beaucoup d'A. Ok, B. On passe dans les B. Ok, j'ai un rapport de réduction de 1.
Une courroie. De 8 ici et une distance d'anthrax de 36 dans mon camion qui arrive. Ok, donc 34.3 c'est trop petit. On passe à la page suivante. 1 et puis 8, 8, on est ici. 36, 36, 36. Qu'est-ce qu'on aurait 36 point... On aurait 36.3 de plus proche que 36. D'accord, donc plutôt que 36 points ici, ce serait 36. 36.3. Okay. Et à 36.3, je passe ma souris. Bon, en fait, je pourrais regarder ici. Et à 36.3, on est dans un facteur ici, cette fois-ci, de 1. 1.0, pardon. Ok. Donc, à partir de là, on va aller chercher le nombre de courroies. Donc c'est là qu'il faut continuer à descendre. On descend, on passe à travers toutes les courroies. Et juste après, on va avoir les tableaux qui sont pas dans le bon sens. Donc, au pire, eux, vous pouvez vous les mettre de côté, là, si jamais vous voulez. ABC. Ok. Donc, on est dans les BP. Ça, BP ici. On avait une courroie de 8 pouces de diamètre et on a une vitesse de rotation de 1160. Okay, donc lui, je vais le prendre, je vais tourner ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, je ne peux pas tout prendre. Ok, je vais tourner. Bon, en fait, je n'ai pas besoin. On va se le mettre là-dedans. Parce qu'il n'y a pas beaucoup passé. Ça. Attendez ça. Ouais. Ok. Fait que pour une poulie de 8 pouces, on est ici. Avec une vitesse de rotation de 1160 RPM, par ici. Tac. On a une puissance de 19.1 HP par poulie. D'accord? Donc chaque courroie est capable de supporter 19.1 HP de puissance. D'accord? Donc ça, c'est mon... Mon HP par courroie. D'accord? On a 19.1. Dépendamment du rapport de réduction qu'on souhaite, on peut avoir un facteur additif. Ici, on regarde à 1160. On peut le faire aussi. À 1160, et pour un rapport de réduction de 1, j'ai un facteur multiplique, j'ai un facteur additif de 0. D'accord? Donc on a notre facteur additif qui est égal à 0. On n'a rien à ajouter. Okay? Puis on se rappelle qu'on avait notre power factor ici, un facteur multiplicatif qui était égal à 1. Okay? Donc là, c'est relativement simple. Notre total supporté par courroie, c'est 19.1 HP. Okay? Donc, si on se rappelle, j'avais une puissance en service de 48 HP. Donc, j'ai un nombre de courroies qui va être égal à 48 HP divisé par 19.1 plus 0 multiplié par 1. Ce qui nous donne 2.5. 2.51 courroies. Okay. Évidemment, je ne peux pas acheter 2.51 courroies parce que je ne peux pas monter une demi-courroie dessus. Donc, on va plutôt y aller avec un nombre complet, c'est-à-dire... 3 courroies. Et là, je me rends compte que je ne vois plus vos faces. Ouais.
Ça va? Moi, c'est peut-être juste le power factor que j'ai pas trop compris, que ça se peut qu'on additionne. Il y a deux facteurs additionnels. Il y en a un qui est dû à la longueur de courroie que tu vas utiliser. Okay? Plus la longueur est grande, plus ta courroie va pouvoir supporter de charge. D'accord? Donc lui, c'est celui qui est. Celui qui est dans ces tables-là. D'accord? Donc ce power factor est ici. D'accord? Et on voit que plus la courroie est longue, d'accord? Plus on arrive vers des facteurs importants. Donc plus en fait ma courroie elle supporte de charge. D'accord? Le deuxième facteur, c'est un facteur additionnel qui lui dépend du rapport de réduction qu'on trouve dans ces tables-là. Là. Ces tables-là. OK. D'accord? Donc lui, c'est un facteur additionnel. D'accord? Donc on vient l'additionner à la puissance par courroie. Okay? Et lui, il dépend du rapport de réduction, principalement. Donc, il y en a un qui dépend de la longueur, puis l'autre dépend du rapport de réduction qu'on va avoir. Okay. Lui, on l'ajoute parce qu'il est additionnel, puis l'autre, on le multiplie. C'est bon. Est-ce qu'on prend une petite pause? On finira celui-là dans 5-10 minutes. Parce qu'en fait, j'ai 10 sacs de sable à décharger, puis je pense pas que ma blonde va s'amuser à faire ça toute seule. Et je vais aller l'aider rapidement, là, puis on se retrouve dans 5-10 minutes. Là. Je peux vous laisser ça là. Je vais l'énoncer comme ça. C'est beau? Vous pouvez jaser entre vous là si vous avez des questions à vous poser là. Pas là-dessus. Mon Dieu, c'est silencieux. Bon.
Good. Fait que ça, c'était la partie. Donc là, on vient de sélectionner notre courroie complètement. On peut maintenant sélectionner la partie. Donc, on avait la courroie qui était. C'est en rouge. Okay, on avait la courroie qui était. Bon, on le voit pas très bien, mais qui est par ici. Là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est sélectionner un petit peu notre chaîne. Ça va être pas mal plus rapide ici. Peut-être un peu plus simple. Donc, on va savoir quel numéro de chaîne simple rangée. Donc, on nous dit qu'on veut une simple rangée. Doit-on choisir pour supporter les conditions de puissance et de vitesse? Donc, regardez ce qu'on a ici. On a un rapport de réduction de 39.24. Donc, on rentrait à 1160. Okay. Rapport de réduction de 39,24 pour 1. On avait une vitesse d'entrée qui était de 1160 RPM. On n'avait pas de réduction parce qu'on avait une courroie qui avait un rapport de 1 pour 1. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un nombre de dents au niveau du four qui était égal à 238. Et on a un nombre de dents du réducteur, on pourrait mettre, qui était de 16 dents. Right. Chose. On a un rendement de 100%. C'est pas mal. C'est pas mal tout. Okay. Good. Fait que pour les chaînes, on a un autre document. Je pense pas que je l'ai ouvert. On va l'ouvrir. Non, pas toi. Ok. Parfait. Là-dedans, on peut trouver le facteur de service. Okay. Donc, on a un moteur électrique ici. Et on avait un. Je pense un four. Okay. On a un four rotatif pour ciment ici. D'accord. Donc, on donne un facteur de service de 1.5. On pourrait également prendre le 1.6. Ça ajouterait juste un petit facteur de sécurité. Ce ne serait pas non plus super fou. Mais on pourrait y aller avec le 1.5, ça fonctionnerait quand même très bien. Donc, ça va être la première étape de sélection. Donc, première étape, pardon. On cherche encore une fois la puissance de service. D'accord? Donc, ma puissance de service, ça va être mon KS ici, multiplié par mon HP. Nominal. Right. Donc pour mon KS, on avait dit 1.5. Je pense que c'est ce que j'avais pris. C'est ce que j'avais pris ici. D'accord. Et étant donné que j'ai pas de perte parce que mon rendement est de 100%. Ben, j'ai toujours une puissance qui va arriver dans le four de 30 HP nominal. D'accord? Ce qui nous donne une puissance de service de 45 HP. au niveau du pignon qui va être le plus rapide, donc on a, je vous rappelle, la chaîne qui va être ici. Donc on est entre ces deux systèmes là. Pas très beau ça, mais c'est pas grave. Donc ici c'est là, je suis à la sortie de mon réducteur ici. D'accord. Donc je vous rappelle que je sortais de mon moteur à 1160. J'avais 1 pour 1 entre ma courroie. Donc je rentrais à 1160 dans mon réducteur. Donc à la sortie ici, ma vitesse va être de 1160 divisé par
mon rapport de réduction, c'est-à-dire 39,24. Okay. Donc, ma vitesse au niveau de mon pignon, ça va être de 29,56 PM. Okay. Donc la deuxième étape, ce serait d'aller chercher, en fait la deuxième puis la dernière étape. Non, c'est pas bon. Okay. Donc après ça, on a le même graphique ici. Donc, je vais aller le copier lui aussi, tiens, si je peux. Clac, comme ça. L'unité. Fait, pour une vitesse ici d'environ donc 29,56, environ 30 RPM, on est sur cette ligne-là. On nous spécifie qu'on veut aussi une chaîne simple rangée. Donc simple rangée, je serai dans la première colonne à droite. Donc je serai ici. Donc c'est là-dessus qu'il faut que je regarde mes puissances. Et on a une puissance de service calculée de 45 HP. Donc 45 ans. Donc 45, on serait quelque part au milieu ici. Donc quelque part par là. Donc on est sur la plus solide, en fait, là sur la plus haute des courroies avec un numéro 240. Donc ça me prend une courroie numéro 240. Si vous voulez avoir le pas de ça, on a le tableau qui est dans les notes de cours. Raté. Donc juste tout à la fin presque, on avait. Ça revient. Ok. Donc juste avant le tableau là, on avait le petit tableau qui nous permettait de recoupler le numéro avec le pas. Donc pour un numéro 240 de chaîne, ça amène à un pas ici de 3 pouces. Ça veut dire que l'espace entre deux maillons de la chaîne ici, ça va être de 3 pouces. Donc c'est une bonne chaîne quand même. Si on change pour une chaîne à 4 rangées, quel sera le pas de la chaîne? Bon, en fait, ça ne change pas vraiment grand chose. Donc, pour une. On va le faire sur ce graphique-là. Ici. Ce qu'on a à faire ici, c'est changer de colonne. Donc, pour une 4 rangées, je suis ici. Puis si je prends un 45, donc on est 40, 45, quelque part par là. Là, vous arrivez à faire une ligne droite, à peu près. Pire. Mais il n'y a pas vraiment l'air droite, là. Je dirais que j'ai un petit peu monté, là. Mais on pourrait aller entre 160 puis 140. Là. Probablement plus 140, si on arrive par là. Entre 140 et 160. Non. Ou entre 140 et 160. Et probablement quelque part par là. Ouais, le près droit ça. Ouais, c'est ça, on est vraiment entre 140 et 160. D'accord. Eh, les masques tous les deux là. Est-ce que ça va? Question. Voilà.
Je peux vous laisser regarder ça un petit peu. Parce que le but c'est que vous travaillez un petit peu quand même. Celui-là est vraiment vraiment pas compliqué là, ça permet de bien. Bon, c'est ce que vous avez également fait, je pense, en 98, vous en avez fait pas mal parce que je pense que vous aviez modélisé votre boîte de vitesse là, pour votre petit véhicule. Donc ça devrait pas être un gros gros problème. Donc je vais vous laisser regarder ça un petit peu. Puis au pire on pourra même en refaire un dernier après que j'ai pas ajouté mais que je pourrais l'ajouter après. Ouais. Je vais en mettre un autre après. Donc, je vous laisse regarder ça un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Monsieur. Oui. J'avais une question, mais c'était par rapport à un autre. Ouais, vas-y, vas-y. C'était dans le vis de transmission. Ouais, là, je vais le chercher. Il n'est pas ouvert. Ouais. Je voulais savoir, c'était comment que vous avez déterminé la vis que vous allez utiliser dans l'exercice 3? Moi, avec, j'ai une question par rapport à l'exercice 3. Ouais, bah, chacun son tour. Déterminé. Qu'est-ce que j'avais quelle question? Alondra, je sais pas. Ouais, bah, dans le fond, c'était. Il fallait comme déterminer la vis à utiliser en basant votre choix sur la vitesse critique. Ah ouais, ok, à la fin. Bah, le numéro 4. Ouais, ok. Donc là, on a les vis de transmission. Donc là-dedans, pour les vis, okay, on avait le catalogue qu'on avait utilisé. Celui s'ouvre assez rapidement. Ok. On avait les graphiques là qui étaient bah, sur notre note de cours, mais vous avez dans le PowerPoint aussi. Donc là, on est dans les. Peut-être le couper. Donc là, on est à la section des Ball Shoes, donc à la page 59. J'aurais pu l'avoir en fait dans le, si j'avais été voir dans l'index. Donc, on avait vu qu'il y avait plusieurs manières de sélectionner une vis de transmission. On y allait bon, soit avec la durée de vie, d'accord, dépendamment de la charge qui était appliquée et de ce qu'on voulait avoir comme durée de vie. Soit on y allait avec le flambement, donc la charge maximum avant qu'on ait la flexion de la poutre. Et on pouvait y aller aussi avec la vitesse critique, d'accord? Donc le maximum travel rate ici. Donc tout ce que ça prend, c'est d'aller chercher la vitesse de parcours ici, versus la longueur que tu vas avoir entre tes deux supports, puis on trouve la vis qui est la plus proche. Donc, je pense qu'avant, on avait calculé... On avait calculé la longueur non supportée. Donc ça, c'est la longueur que tu vas utiliser sur l'axe des X, ici. D'accord. Puis le maximum travel rate, là. Et on va le calculer en fonction du pas de notre vis. Pardon, on va l'avoir, on le donne directement à lui. Donc, ok, vitesse maximale sautée, c'est 5 pouces par seconde. D'accord. Donc, il faut le mettre, dans notre cas à nous, en pouces par minute. D'accord, donc on serait à 300 pouces par minute, donc 100, 200, 300 ici. Et puis on avait une distance, je ne sais plus, de 20, 24 je pense. Ouais. Donc quelque part par là, on se trouverait à ce point-là. D'accord. Okay. Donc okay. Celle qui est en dessous est un petit peu trop petite, il faudra aller chercher celle-là, fait probablement une 875 0200. Ok, parfait, merci.
C'était quoi l'autre question? Dans le fond, je me demandais comment on... Quand on demande d'établir la longueur non supportée... Ouais. Je comprends pas la longueur de où à où, dans le fond. En fait, c'est la longueur qui va être... qui va rentrer en compression, là. Tu sais, imaginons que t'es le... imaginons que t'es cette vis-là, okay, puis qu'elle soit montée sur... avec des guides, un petit peu comme c'est mis, là. Okay. Mettons que j'ai comme un support qui est comme ça. Okay. Ben, quand je vais arriver au max, là, mettons que je vais avoir ma mettons que je touche ici, ben, j'ai quand même une certaine distance. D'accord. Oui. Okay. Puis si je me déplace ici, si je veux me déplacer de 23 pouces, je ne sais pas combien j'avais mis là, si je veux me déplacer de 23 pouces, ben, la longueur que je vais avoir entre mon support qui est ici puis l'endroit là où je suis, ben, c'est le 1 pouce que j'avais initialement plus le déplacement maximum. Donc au plus long point que je vais avoir, que je vais être, ben, je vais avoir cette longueur-là qui va venir comprimer. D'accord? Puis on fait ça parce que cette longueur-là est importante à cause du flambement. Si on se rappelle, le flambement, là, c'était de... C'est quand on venait mettre une poutre en compression puis qu'elle venait... Ouais, un caillou. Ouais, elle venait flamber. Ça, c'est classe, mais le 1 pouce, pourquoi? Ben, comme j'ai dit, si tu as ton chariot qui est... j'en ai pas là, mais je vais le montrer là-dessus. Mettons que j'ai mon chariot qui est monté comme ça. Ouais. D'accord, il y a les guides qui sont sur le côté. Okay. Mon écrou, lui, il peut pas aller jusqu'au bout. Ok, ouais. D'accord. C'est-à-dire que... C'est pas ça plus simple comme ça. Sinon, il va tomber... Ouais, non, même pas. C'est juste que ça va à côté. Ok. D'accord. Si c'est sur mon... On va faire sur le schéma ici. Quand mes guides ici ils vont arriver au bout parce qu'ils peuvent pas aller plus loin, ben là il va toujours rester un pouce. Ouais. D'accord. Donc mettons que je déplace ton chariot mentalement, tu le mets au bout là. Ok. Ça c'est ta position 0. Puis ensuite tu te déplaces de 23 pouces. Mais si on voit pas votre PowerPoint. Ouais. Ça va? Donc là tu te mets au bout. Là il te reste, tu vas voir. Je pense pas que je puisse écrire là-dessus. Est-ce que je peux annoter ça? Ah, peut-être. Ok. Non, est-ce que je peux annoter ça? C'est 26 minutes encore. Même pas. Non, on est pas mieux. Ok. Ici, là, t'as un pouce. D'accord? Puis ton chariot, lui, il est là. Ouais. Maintenant, ça, c'est ma position 0. Maintenant, je me déplace ici de 23 pouces. Ok? Ouais. Ben, j'aurais bien ce 1 pouce en plus qui va toujours rester, là. Je me serais déplacé de 23 pouces, donc ma longueur totale, ce sera 24 pouces. D'accord? Donc j'aurai 24 pouces entre cette position-là puis mon support. Ouais, ok. Donc c'est ça la longueur qui va être non supportée. Moi, je pensais que le 23 pouces, c'était la longueur totale. Non, c'est de combien? Ben, c'est de combien on veut pouvoir se déplacer. Ouais, ok, je comprends. Okay. D'accord? C'est souvent important quand vous allez sélectionner vos affaires de ne pas l'oublier, c'est que tout ça, ça a une taille, là. Tu sais, si tu veux faire une machine là, qui se déplace de 1 pied, ben, il va te falloir des trucs vraiment... Il va falloir qu'elle soit plus longue que 1 pied pour pouvoir accommoder toute cette place-là. Est-ce que ça va? Comment je peux enlever ça maintenant? J'avais une autre question, s'il n'y a plus personne qui en a. Ouais. Non, vas-y. C'est sur les formules du PowerPoint de cours 9. Il y a trois formules de couple, puis j'ai la misère à savoir quand est-ce que j'utilise laquelle. Il y en a une avec des angles, il y en a une avec la force vers le bas, puis une avec la force vers le haut. Cours 9. C'était quoi ça déjà? Je pense pas que j'ai l'as ouvert. Cours 9. Les vis? Ouais. Le couple de la vis, c'est page 11, 12, 13. Ah, ok. Dans ce cas, mettons dans le premier cas, c'est comme si toi, t'avais tu mettais un poids là-dessus,
D'accord? Donc un poids comme ça, vers le bas. Puis tu veux déplacer ta vis vers le haut. Ok? Ça va être dur. Okay? Maintenant, l'autre cas qu'on veut faire, c'est j'applique la force pareil vers le bas, mais je veux me déplacer vers le bas. D'accord? Donc là, j'applique la force dans le même sens, mais cette fois-ci, je veux me déplacer vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est souvent plus facile. D'accord? De se déplacer dans le sens où il y a déjà la charge. D'accord? Ça se peut même que ça ne te demande aucun couple. Ça se peut même en fait que ce couple-là soit négatif. Ok, mais comme, tu sais, l'autre formule d'après, ça dit pour les autres filets. Mais Ouais. comment je fais pour considérer que c'est un autre filet? Parce que je sais pas c'est quoi vraiment le filet des deux premiers. Bah si, c'est noté, je pense. On a des filets genre type Acme, comme ça, donc avec un angle ici de 29 degrés. Ou du buttress où on a des angles qui sont où on a un filet qui est pas symétrique ou un filet carré. D'accord? Donc en fait les deux formules qui sont là, elles sont uniquement valides pour des filets carrés. Pour ça. Pas comme des crans. Ok, c'est bon. C'est ça que je comprenais pas. Ouais. Puis dès que tu Plutôt as j'ai un un angle angle, dans le fond. ouais, dès que tu as un Ok. angle, ça va être la formule là. Avec le Ok, phi puis ici qui l'angle, vaut la valeur de il va être toujours donné ou comme, tu sais, acmus c'est 14,5, puis 5 va Exactement. être dans l'énoncé. Exactement. Ok, Exactement. parfait. C'est ça que je comprenais. Merci. Et moi aussi, j'ai une question par rapport aux formules. Ouais. Dans un des exercices, c'est comme les deux premières formules, il n'y a pas grand-chose qui change à part le plus puis le moins, là. Attends. On parle de la même formule? Ouais, ben juste Ouais, les ok. deux autres Ouais, formules, ok. là, on Ouais, suppose. Sauf que là, dans un des exercices, c'était comme faut utiliser L sur la diapo 13. Puis là, dans le fond, à la place d'être comme ça, c'est comme mais dans la la même même direction. logique. C'est ça. Ouais, Finalement, il y en a exactement. une autre que celle-là. C'est Oui, considéré comme la même direction. On n'est pas exactement. dans le G, là. Exactement. C'est comme celle-là, mais auquel tu rajoutes la sécante ici sur les deux termes où il y a le frottement là. Ok. Parce qu'en fait celle-là, c'est la même que celle-là, puis on a rajouté juste la sécante parce que en fait le tout ce que ça fait, c'est qu'au lieu que la force soit perpendiculaire, ben, elle a un petit angle. Donc en fait, où est-ce que ça joue? Ben, ça joue sur la force de frottement finalement. Donc c'est pour ça que ça joue juste là où il y a le terme de mu ici, le coefficient de frottement. D'accord? Donc à chaque fois qu'il y a le terme coefficient de frottement, ici on a ajouté une sécante. D'accord? Donc si on l'avait dans l'autre direction, vers le bas par exemple, ben, il y aurait comme pi mu dp sécante de phi moins l divisé par pi dp plus mu l sécante de phi. C'est comme Ok. la formule pour aller vers le bas. Merci. C'est beau? Oui? Ouais, t'as ta main levée. Ouais, j'aurais une question. C'est apparemment c'est le cours des courroies, donc cours 11, à la page diapo 10. Il y a une formule pour calculer la longueur de la courroie. Est-ce Ouais. que c'est possible de trouver la longueur sans connaître ton B? Ou ton C, la distance entre axes. Pour connaître la longueur de la courroie, ça va te prendre nécessairement le diamètre et puis la distance d'entraxe. Ok, c'est ça. Fait que si t'as pas la distance entre axes, tu peux pas. C'est normal aussi. Non, tu peux pas. Ça prend ces deux paramètres-là. Ok, puis le paramètre B, c'est juste pour simplifier votre comment Ouais, oui, c'est ça, 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 ça correspond à absolument rien du tout là. C'est effectivement juste un facteur. Sinon, ça aurait été trop gros comme formule, fait qu'on a mis un B là-dedans, mais ouais. Ok, super clair, merci. C'est beau. Fait qu'on. Est-ce qu'on continue un peu? Je pense que le J'avais prochain. Ouais, vas-y. une dernière petite question, mais c'était plus concernant l'examen. Ouais. On avait fait un exercice en classe avec les engrenages où est-ce qu'il fallait faire des hypothèses pour trouver le bon ratio à utiliser pour le Ouais, produit. ouais, ouais. Est-ce que c'est possible qu'on retrouve un numéro comme ça à l'examen? Non, je pense pas. Bon, c'était vraiment une hypothèse qu'on avait fait ou je me rappelle Ben, plus. parce que moi, j'ai réécouté le cours 10 de Julien parce que à cause de... Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais, si vous arrivez à le trouver. Ouais, ben, je l'ai partagé dans le groupe 2, mais Ok. groupe Ouais, groupe 1, on s'en fout. Non, mais c'est ça. Donc, j'ai réécouté son cours. Puis,
il avait fait un Excel, puis c'était des hypothèses. Donc, ben pas des hypothèses, mais ben oui, un peu. Comme il y avait Je des vais le. questions Ouais. okay. Il n'y a pas besoin de faire un Excel. Ben, ça peut, là, mais non, il n'y a pas tant d'hypothèses que ça. Mais Okay. je peux le refaire, mais non, il n'y aura pas tant de trucs, pas tant de problèmes comme ça. Ok, parfait, merci. Est-ce qu'on continue? Fait qu'on a un petit système qui sert pas vraiment à grand chose, qui est juste là à titre informatif là. Fait qu'on a un système d'engrenage où on a une entrée, donc notre entrée ça va être ici. On a une entrée ici, puis on va avoir deux sorties. Okay, on va avoir une sortie, sortie C, puis on a une sortie ici. Sortie D. D'accord? Déterminer le rapport de réduction entre les points A et C. Donc entre ici et puis ici. Okay? Ça, c'est relativement simple parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a un train d'engrenage où on n'a pas vraiment de changement de. Ben, tous les gears sont sur le même plan. D'accord? Donc. Quand on a ce genre de système-là, on sait que celui qui est au milieu ou ceux qui sont au milieu servent à rien, à part modifier la direction ou espacer les distances d'entraxe. D'accord? Donc, si on veut calculer le rapport de réduction de ce système ou de ce train d'engrenage-là, donc le rapport entre, mettons, A et C, donc on pourrait le démontrer. Donc, c'est le nombre de dents en sortie divisé par le nombre de dents en entrée. Et puis là, j'ai deux passages, d'accord? Donc sur mon premier passage entre A et B, ça va être le nombre de dents de B, donc à la sortie, divisé par le nombre de dents à l'entrée, c'est-à-dire ZA, multiplié par le nombre de dents à la sortie, ZC, divisé par le nombre de dents à l'entrée, c'est-à-dire ZB. D'accord? Et là, on se rend compte que dans ce cas-là, ben, mes ZB ici se suppriment. Donc c'est comme si j'avais fait directement à la sortie ZC, divisé par l'entrée, c'est-à-dire ZA. Okay? Donc le nombre de dents. Ici, de C, c'était 12, divisé par, à cette entrée-là, c'est 12, c'est-à-dire, ben, j'ai pas de rapport de réduction, toujours à 1. Quel sens de rotation de l'engrenage C? Donc, là, on a notre premier qui tourne, on avait dit dans le sens horaire, d'accord? Donc, lui tourne. Comme ça. Donc ça implique que celui-là tourne dans le sens opposé. Et comme on a trois engrenages, comme pour le reculon dans la boîte de vitesse, lui va retourner dans le même sens. C'est-à-dire dans le sens horaire. Ensuite, quelle est la vitesse de rotation au point D? Donc ici. On a un rapport de réduction entre A et D. Okay, cette fois-ci, on voit qu'on a comme un réducteur double étage. Donc j'ai un premier étage de réduction entre A et B. Ensuite, j'ai deux engrenages montés sur le même arbre au point B. Et entre B et D, j'ai de nouveau un rapport de réduction. Enfin, donc ça ne fonctionne pas comme dans le premier cas. Ici, je vais vraiment avoir deux rapports de réduction qui vont se multiplier. Donc ici, le rapport de réduction entre A et D, c'est à la sortie. Donc à la sortie pour mon premier étage, j'ai 32 dents divisé par A 12 multiplié par ma deuxième sortie c'est D. D c'est 42 divisé par mon entrée 2 au point B c'était 20 dents. Si on fait ça. Je vais voir ça là. Est-ce que t'es freinage? On a directement 5,6. Donc si je vois ma vitesse,
l'entrée, ben je sais que mon rapport de réduction entre A et D, c'est aussi ma vitesse d'entrée divisée par ma vitesse de sortie. Je peux laisser ça en RPM, il n'y a pas de problème. On fait juste une division, donc on peut laisser ça en tours par minute. On avait... J'ai pas mis de vitesse d'entrée, moi, là. J'en ai mis une dans mon solutionnaire, mais j'ai oublié de mettre une dans l'énoncé. Je pense que je ne la vois pas. 185. Ouais, c'est ah. Ah oui, 185. Okay. Je suis aveugle. je pensais qu'il y a un truc qui rendait sourd, mais je pense pas que ça rendait aveugle aussi. Il faut que je fasse attention. Donc, on avait une vitesse d'entrée de 185 RPM divisée par ma vitesse de sortie qui est égale à 5,6, ce qui fait que ma vitesse de sortie, c'est 185 divisé par 5,6, ben j'ai fait le calcul ici, j'arrive à 33 RPM. Environ, hein, 33,04. Puis quel est le sens de rotation? Ben pareil, là, on a... continuer ça comme ça. On le fait en rang. Donc, celui qui est monté au-dessus du gros engrenage tourne dans le même sens, parce qu'ils sont sur le même arbre. D'accord? Donc, les deux-là tournent dans le même sens. Et donc, bah, l'engrenage D va tourner dans le sens opposé à celui qui est à B. C'est-à-dire comme ça. Donc, encore une fois, pareil dans le sens horaire. Excuse-moi, Sébastien. Comment ouais. Tu sais que l'engrenage A tourne dans le sens horaire? C'est-tu marqué à quelque part? Puis je l'ai pas... Ouais, ben oui, à côté de 185 RPM. Toi aussi, on a le même problème. Hein. Faut faire attention. Hein. Hein? Il y a un voodoo. Ouais. Ok. Puis évidemment, ici, on ne s'est pas servi du 96% de rendement parce que la vitesse n'est pas affectée par l'efficacité ou par le rendement. Right? C'est bon? Moi, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Je n'ai pas encore posé depuis le début. Est-ce qu'ils étaient bons, les muffins à la pomme? Ouais. Je suis quand même déçu de ne pas en avoir eu, moi, mais... Tant pis. Il faut que tu ship à chacune des ouais. Personnes qui étaient là hier. Ouais. Ah, c'est même pas rempli, la boîte. Faut que t'en fasses plus. Ouais, je pourrais, j'ai tellement de pommes. Faut que Dixie en a acheté au Costco. On voit mal, hein? C'est pas mal. J'ai essayé de faire un petit top là, mais ça a pas trop marché. Non. Il y en a beaucoup qui sont gros, fait que moi je te dis. Hey Raph. Yes. Tu peux-tu demander à Alexis d'en apporter demain pour multi? Thanks. Je vais le considérer. Considérer. Je vous rappelle quand même que Sébastien doit les bières à 24 personnes. N'oubliez pas de les réclamer quand même. Sangria aussi. Sangria aussi, ouais. C'est important quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on... Oh, c'est pas le bon écran que j'ai quitté. On va enlever ça. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres exercices qui étaient un petit peu mélangeants, là? Vous avez essayé de faire puis que ça a été problématique ou... Vis. Pour essayer le. Ouais. Le chat. Exercice 4. Quelqu'un qui est parti dans qui est pas en mécanique, ça? Exercice ouais, on a 4. Un programmeur avec nous. Enfin, une personne intelligente. Merci. Je vais me mettre toute la classe à dos. Exercice 4, numéro 3 de Doc 8. En fait, lui, je l'ai déjà fait mardi. Je vais... Attends. Numéro 3.
Est-ce qu'il y a encore du... Est-ce qu'il y a du monde qui était là mardi? Il y avait Ali qui était là tantôt, je sais pas Oui. s'il est toujours là, ouais. Non, mais je suis pas sûr que tout le monde planifie de regarder. Je vois pas faire l'intérêt de voir faire un numéro que tu as déjà fait. Je vais mettre la vidéo sur YouTube tout à l'heure, c'est sûr. On n'est pas en Rocket Science encore. Là, c'est 5. Ouais, je pense pas que j'ai fait le 5. Ouais, ok. Ah, pas mal ça. C'est aussi comme ça. Good. Good. Fait que, exercice 5 sur les engrenages. Fait qu'on souhaite évaluer la capacité de charge d'un engrenage en HDPE, donc les petits engrenages en plastique que vous utilisez en fait pour votre projet probablement, parce que vous êtes pas en train de les imprimer. On a 52 dents pour l'engrenage, un module 2.5, donc c'est vraiment ces petits engrenages en plastique. L'épaisseur de cet engrenage est de 5 mm. Pardon. Et on considéra que le contact entre les deux dents pour évaluer la capacité de... Ouais, ça c'est l'imitation qu'on avait un petit peu dans la formule que je vous l'ai montré. Ah, il est pas ouvert. Ouvrir. Faut pas que j'ouvre ça parce que ça c'est image pour l'examen final. Ça serait peut-être de l'ouvrir en direct. Hein. Engrenage, engrenage. J'ai pas engrenage. Attention par engrenage. Pour dimensionner les dents ou le module et les dents des engrenages, c'était tout à la fin. On a fait ça à la fin du cours. Donc, on avait cette formule-là qui nous permettait d'évaluer la résistance d'une dent d'engrenage basée sur sa déflexion. En fait, comme si on faisait en sorte qu'elle était une espèce de poutre, une poutre rectangulaire qui subissait de la flexion. D'accord? Donc, on avait une poutre encastrée ici à cet endroit-là, puis on la faisait fléchir parce qu'on appliquait une force tangentielle. À cette poutre-là, d'accord? Sachant que l'autre composante radiale mettrait la dent en compression, ce qui ne nous intéresse pas tant que ça, d'accord? Donc, on va baser nos calculs sur cette formule-là. Donc, je peux déterminer mon module, sachant que je connais les propriétés mécaniques du matériau qui compose cette dent-là, et qu'on applique une certaine force tangentielle sur cette dent, d'accord? Qui dépend évidemment de notre couple. Le facteur K ici, lui, dépend, en fait, il définit l'épaisseur de notre engrenage. D'accord? Fait qu'on dit souvent que B, la largeur de la dent, donc on voit le B qui est ici, ou la largeur de l'engrenage, ou l'épaisseur de l'engrenage, dépend du module. Donc on prend généralement comme, pour la plupart des engrenages industriels, que la largeur, c'est 12 fois le module. Évidemment, ça, c'est pas respecté pour les petits engrenages de modélisme en plastique comme vous avez pour vos transmissions. C'est pas mal plus petit que ça. Mais pour les engrenages industriels, on va plutôt aller vers ce rapport-là. Mais c'est juste une indication ici, c'est pas forcément vrai pour tous. Okay. Donc, toujours pas le bon, ça. Donc, pour pouvoir faire ça. On veut chercher le couple maximum qui peut être transmis à travers une dent de cet engrenage-là. Donc, ce que j'ai besoin, moi, dans ce cas-ci, c'est d'évaluer la force tangentielle. Puis, une fois que j'aurai la force tangentielle, je vais pouvoir revenir au couple. D'accord? Donc, on sait que. Donc, on va modéliser ma dent comme ça. Puis, au reste, bon, j'ai qu'une seule dent. Mais j'ai une dent d'engrenage sur laquelle on va faire subir une certaine force tangentielle. Et évidemment, cette force tangentielle-là est placée à une certaine distance, okay, qui
correspond à mon diamètre primitif divisé par 2, ou mon rayon primitif. Okay. Et ça, évidemment, ça me donne un certain couple. Français. Un certain couple. Right. Donc, si on y va à reculons, on se rappelle que ma force tangentielle, c'était 2 fois C divisé par mon diamètre primitif. D'accord? Ou mon couple divisé par le diamètre primitif divisé par 2. Et donc, je l'ai remis au-dessus de le 2. Okay? Donc, j'ai besoin d'aller chercher ma force tangentielle ici. Okay? Et on sait que pour un engrenage donné d'un certain module M, on va voir que le module doit être supérieur ou égal à 2.34 multiplié par racine carrée de WT divisé par K fois RE. Donc, je prends cette formule-là, puis moi, ce que je vais chercher là-dedans, c'est mon WT. Okay. Et si je repasse ça de l'autre côté, on va faire une égalité, ça va être plus simple. Donc, je vais avoir M sur 2.34 au carré est égal à WT divisé par K fois RE, et donc je peux aller chercher mon WT ici, parce que ça va être égal à mon module au carré divisé par 2.34 multiplié par K fois RE. Okay. Mon K, lui, il est égal, on avait un module de 5, donc c'est j'ai pris on va mettre dans le bon ordre. On disait que B c'était égal à K multiplié par le module. Donc moi ce que je cherche ici c'est mon K pour les dimensions qui sont données. Donc ici dans ce cas là il ne va pas être égal à 12. D'accord? Il va être égal à mon épaisseur. J'ai une épaisseur de, on avait dit 5 mm. Divisé par mon module qui était de 0.5. D'accord? Donc on arrive avec un K qui est égal à 10. Donc avec toutes ces valeurs-là, on a module, shit, ça se fait passer, toucher un truc. Module 0.5 divisé par 2.34 carré, multiplié par 10, multiplié par RE. RE, je l'avais donné, je pense, 25 MPa. Okay. Donc, on a des newtons par millimètre carré, on a des modules en millimètres, donc ça c'est pas mal parfait, ça va nous donner une force directement en newtons. Okay. Ce qui nous donne, si on fait bien le calcul, une force de 11.4, mettons, newtons. D'accord. Pas sélectionner des trucs puis les déplacer là-dedans. Bon, tant pis. Faire une page. Je vais me faire boxer, je prends ça. Okay. Donc, à partir de là, pour aller chercher mon couple, donc je sais que mon couple, ça va être ma force tangentielle multipliée par mon diamètre primitif divisé par 2, mais j'ai besoin de mon diamètre primitif. D'accord? Donc, je sais que mon module, c'est mon diamètre primitif divisé par le nombre de dents. D'accord? Donc, si je veux chercher mon diamètre primitif, ça va être mon module multiplié par le nombre de dents. On sait qu'on avait un nombre de dents de 52. Ça va me faire un truc... 52 dents
multiplié par 0,5, on avait 26 mm. Donc j'ai un diamètre primitif de 26 mm. Je peux aller chercher mon couple. Mon couple va être égal à... Donc ma force tangentielle que j'avais trouvée, qui est appliquée sur mon engrenage, sur ma dent, c'est 11,4 newtons multiplié par 26 divisé par 2. Okay. Ça me donnerait un 148. C'est là qu'il faut faire attention. Ça me donne. Donc là, j'ai des millimètres un peu partout. Donc ça me donne. Si on fait attention, si on fait pas attention, ça me donne des newtons millimètres. D'accord. Donc c'est pour ça que probablement dans mon Excel, j'ai dû mettre ça divisé par 10. Ouais. Divisé par 1000. Donc si on veut des newtons mètres, on va arriver à 0,148 newton mètre. Question, c'est quoi ça? Ouais. Ça va? C'est un... faire la question 2 aussi de l'exercice 5. Ah ouais, ben oui, c'est vrai. Ouais, pour les, je vois que vous avez des questions sur les lock washers. Là, et, souvent, la réponse à est-ce que les split washers, ça servait à quelque chose, c'est quel type qui vous donne là? Je vois la question de Fred. C'est-tu les split washers, là, ceux qui se plient et que vous mangez dans la matière là? Ouais, c'est ça, ouais. Si c'est dans du plastique, etc., ça, ou dans du bois, ça risque de fonctionner. Si c'est dans du métal, etc., souvent, ça fonctionne pas très, très bien. Ces affaires-là. Dans le métal, ça va pas mordre, mais dans du bois ou du plastique, comme dans notre projet, ça risque de mordre dans la matière un peu. Ouais, tu risques de pas mal même défoncer ton bois. Ça dépend quel type ils ont mis, là. Mettons que c'est pas vraiment conseillé de l'enlever puis de le remettre là. Mais théoriquement c'est pas fait pour manger dans du bois, parce que dans ce cas ça veut dire que tu vas pas le déformer, il va juste manger puis il va pas se plier. Ouais, okay. Ça dépend vraiment quelle taille vous avez, mais c'est pas fait pour le bois ces trucs là. Okay. Non, c'est ça. Ben là on l'utilise pour le plastique là. Ouais, bah c'est pas fait pour le plastique non plus. C'est mieux d'abord de mettre un thread lock ou un... Ben c'est mieux, c'est toujours mieux de mettre de la Loctite là. Ouais, la Loctite, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est... Loctite, vous pouvez faire du... si vous avez la place, vous mettez des wire lock, là, mais ça va être un peu chiant. Oui. Mais c'est sûr que Marc lui, c'est pas faux. Si on regarde en militaire et tout ça, en aéronautique, ils mettent pas ça, parce que c'est pas efficace. Mais encore une fois, ça dépend de la fréquence de vibration puis de l'amplitude des vibrations. Pour des petites vibrations, ça va fonctionner, mais dès que l'amplitude augmente, on dépasse largement la valeur d'élasticité là de votre petite washer. Fait que la plupart du temps on peut s'en passer quand même de ces trucs là. Ok, bah si on peut s'en passer, on va s'en passer. Hein. Pour le prix de la Loctite là, plutôt là dedans. Question 2.
si on souhaite un facteur de sécurité de 2, quel module d'engrenage devrait-on utiliser? Dans le fond, ici, on n'est pas obligé de tout recalculer. Il suffit juste de se rappeler que ce qu'on veut faire, finalement, c'est pour la même charge, ce qu'on voudrait avoir, d'accord, c'est avoir un RE qui soit deux fois plus élevé, d'accord, parce que c'est ce à quoi correspondait notre facteur de sécurité. Donc, si je veux avoir un facteur de sécurité de 2, ben c'est comme si j'acceptais des forces, d'accord, des forces tangentielles ici qui pouvaient être deux fois plus grosses, d'accord. Donc, en fait, quel pourrait être le module de mon engrenage pour être capable de supporter deux fois plus de charge ici, d'accord. Non. Ah, shit. Je vais le faire. Ouais. Je vais faire une autre page. Donc, si on. Pourquoi je mets ça en rouge à chaque fois? Donc, si on se rappelle que le module doit toujours être supérieur ou égal à 2.34 mp par racine carrée de WT sur K fois RE. Donc, si on veut supporter une charge deux fois plus grande, parce qu'en vrai, on veut pas vraiment la supporter, mais on veut que notre engrenage soit capable de le supporter, d'accord? Donc, on va dimensionner notre module comme si WT était égal, en fait, ou WT max, c'était égal à WT multiplié par 2. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que si je multiplie ça par 2, d'accord? Il manque des lettres. Si on multiplie WT par 2, ben c'est comme si on multipliait le module par racine de 2. Parce que le WT ici, il est sous la racine. D'accord? Donc mon module, on va mettre max qu'on pourrait avoir. Là. Okay. Ça va être égal à mon module multiplié par racine de 2. C'est-à-dire 0.5 multiplié par racine de 2. Puis là, on est arrivé à 0,7. C'est ça. Puis le plus proche qu'on pourrait trouver possiblement de commercial, ben, ça serait un module de 0.75, voire 1. Ça va? L'autre façon de voir ça, c'est de se dire que ben, notre matériau, lui, le RE, on va le diviser par le facteur de sécurité. Et puis, si je divise mon RE par mon facteur de sécurité, ben, c'est comme si je le multipliais ici, la charge. Alors, ça revient au même. Est-ce que ça va? Pas de question? Ouais.
Est-ce que vous allez pouvoir être là demain? Et là, Mike, là. Je vous propose de... Parce que là, je suis en train de faire tous les exercices un petit peu pour vous, puis je pense pas que ce soit la meilleure solution. À quelle heure? On va faire... Ben là, demain faut... Parce qu'en fait, ce matin, ma femme a réussi à emmener mon fils, fait que c'est pour ça que j'ai réussi à être là à 9h. Mais ça se peut que... j'arrive pour la question. Ça se peut que je sois un tout petit peu en retard, genre de 15 minutes. Ça dépend de sa coopérativité le matin. Des fois, ça se passe bien, des fois, c'est la guerre. Fait que mettons aux alentours de 9h, mais je serai là anyway. Là, okay? Faut juste je me connecte. Okay? Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête un petit peu là, puis là, je vais vous laisser travailler. Je suis disponible. Bon, en fait, je suis tout le temps là. Fait que si vous avez des questions sur la manière de faire, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. On peut se connecter sur Zoom si jamais vous avez besoin de me montrer des choses, ou vous pouvez me le faire sur Discord si jamais il y a des questions. Aglaé, oui, comment est-ce qu'on détermine Ouais, c'est ça. En fait, j'ai dit 0.75 ou 1 parce que de mémoire, on peut trouver des engrenages à module 0.75. Mais je suis pas sûr. Mais le 1, je suis absolument sûr qu'on trouve des engrenages de module 1, c'est évident. Après, si vous concevez votre propre engrenage, vous mettez le module que vous voulez, d'accord? Si vous avez calculé que pour votre système, un module de 0.7, c'était ce que vous préférez, puis vous êtes capable d'avoir les outils pour couper cet engrenage-là, vous pouvez garder ce module-là, d'accord? Mais commercialement parlant, il faut trouver des choses qui existent. D'accord. Donc si je regarde rapidement, on va aller dans le métrique, module. Ouais, ça. Enfin, en tout cas, sur MacMaster, je suis pas capable de trouver du 0.75, mais de mémoire, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu, je pense. Okay, mais je suis pas sûr. Donc, donc juste dépendamment de ce qui va être disponible chez les fabricants, ou ce que vous êtes capable de concevoir, ce que vous avez dans votre machine shop comme cutter, si vous voulez fabriquer, etc. D'accord? Puis si évidemment vous les faites par injection moulage, ben vous avez juste à créer à couper votre moule, puis là vous êtes capable de faire les modules que vous voulez. D'accord? Donc vous êtes limité vraiment juste par ce que vous êtes capable de faire. Écoute, fait que je vous propose de vous laisser une petite heure pour continuer à travailler. Moi, je vais être disponible sur Discord, puis je pense que je vais commencer vos corrections de laboratoire 4 et 5. Ça va être le temps quand même. On arrive à la fin de la session, puis j'ai pas tout corrigé. Est-ce que vous avez des questions encore? Moi, est-ce que je pourrais poser une petite question théorique, mettons? Oui. C'est sur le porte-planète. Je suis comme pas sûr de comprendre. Il y a une question sur ceux qui demandent de demander ça va être quoi l'entrée pour obtenir le plus petit rapport, là. Ouais. Puis j'ai eu de la misère à faire ça. Celui-là? Ou dans les notes de cours? Ouais, celui-là. C'est okay. Celui-là, la première question. Puis... Ok. Dans le fond, on avait. Trois possibilités. Okay. Si on regarde un peu dans les notes de cours, ce qu'on avait comme information ici. Okay. Pour les planétaires ici, on avait dépendamment de... Donc, d'une manière générale, on peut faire bouger les trois parties. D'accord. Donc on peut faire bouger les trois parties de notre engrenage, d'accord? Je pourrais mettre un moteur sur deux parties puis sortir de l'autre, d'accord? Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de bloquer un des trois éléments, d'accord?
Donc, je peux bloquer soit ma couronne, c'est souvent le cas, d'accord? Dans ce cas-là, ce qui me reste, c'est soit de rentrer sur le soleil au milieu, puis de sortir sur le porte-planète, soit de rentrer sur le porte-planète, puis de sortir sur le soleil. D'accord? Deuxième cas, je peux bloquer mon soleil ici, donc le connecter, puis faire tourner mon ring ici, puis sortir sur le porte-planète, ou inversement, etc., etc. D'accord? Si on veut avoir le plus petit rapport de réduction, ben on se rend compte qu'entre le rapport de réduction puis de multiplication, c'est juste l'inverse, d'accord? Donc si parmi les trois cas qui sont là, j'obtiens le plus petit rapport de réduction, ben ça veut dire aussi que j'obtiens le plus grand rapport de multiplication, d'accord? Donc ce que ça me prend juste, c'est de trouver quelle combinaison ici de rapports là, permet d'obtenir le plus petit ou le plus grand chiffre. Donc ici, ce que j'ai, c'est que j'ai Z1, donc mon pignon, qui est un. En fait, je peux annoter, je me suis rendu compte de ça. Joe. Est-ce que je peux juste. Ouais, ça va être ça. Ok. Donc ici, Z1, c'est petit comme nombre, parce que c'est le soleil, d'accord? Comparé à Z3, qui est le ring, d'accord? Donc si je vais avoir un petit nombre divisé par un petit plus un grand. D'accord? Ça va me donner quelque chose de relativement petit. Okay? Ici, ce que j'ai, c'est que j'ai un grand divisé par un grand plus un petit. D'accord? Donc forcément, la valeur ici va être plus petite que celle-là. D'accord? Donc actuellement, c'est toujours lui qui m'apporte le rapport de réduction le plus grand, ou le rapport de multiplication le plus. Ben, le rapport de réduction le plus grand ou le rapport de multiplication le plus petit. Puis lui, ben, c'est quelque chose de petit sur quelque chose de grand. Donc, ça moi, sera quand même plus petit que lui. Donc, si on veut avoir un rapport de réduction le plus grand possible ou un rapport de multiplication le plus grand possible, c'est toujours cette configuration-là qu'on va prendre. D'accord? Ah, ok. Puis le N, là, NPS sur N1, NPS sur N3, ça c'est quoi? C'est quand on dit N3 égale 0, c'est parce qu'il est bloqué. C'est Ok, les parfait. vitesses, c'est les vitesses. Ah, ok, D'accord? Donc en fait la. Oh shit, ça marche pas comme ça. Ah si, ça marche. C'est nice. Hein. Donc ça en fait la. Ici ce qu'on a, c'est la vitesse du porte-satellite, donc cette vitesse qui est ici, divisée par la vitesse du Soleil. Bah, ça me donne Z1 divisé par Z1 plus Z3. D'accord? Ok, parfait, ben merci. Donc là, on a quelque chose qui va être inférieur à 1. Ah, parce que on a quelque chose de petit divisé par quelque chose de grand. D'accord? Donc, ici, si c'est inférieur à 1, puis que tu le prends comme un rapport de réduction, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tu vas augmenter ta vitesse. Donc pour que ce soit un rapport de réduction, il faut que ce soit la vitesse d'entrée en haut, puis la vitesse de sortie en bas. D'accord? Donc si tu places ton porte-satellite en entrée, ici, bah tu vas sortir plus vite au niveau du soleil. Moi, j'aurais une question, Sébastien. Ben, je t'ai déjà écrit sur Discord, en fait. Z3 dans ton Oh, ça premier marche cas, pas. dans ton ring bloqué, puis Z3 dans ton sun bloqué. C'est pourquoi t'avais mis que c'est le même nombre dedans. Ça, j'avais vraiment pas compris. Le même nombre dedans, où ça? Ben, dans tes PowerPoint que t'avais annoté, celui qui avait pas de son. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. T'avais mis le même. Tiens, mettons, là, Z3 c'est grand, puis Z3 c'est grand aussi dans ton ring bloqué, puis sun bloqué. Mais quand tu dis grand, ça veut dire que le chiffre est pareil. Ou entre les trois cas? Ouais. Ouais, exactement. Ça va être le même. Mettons qu'on est, je sais pas moi, ici 52, puis qu'ici on est 12 dedans, là. On peut prendre le même partout, là. D'accord? Donc ici on aura toujours, mettons, 12 divisé par 12 plus 52. D'accord? Puis ici on aura 52 divisé par 52 plus 12. Ok, puis ça c'est. Mais c'est parce que je pensais que c'était pas les mêmes engrenages comme Ouais, ton ring bloqué. on peut prendre le même système. Ok, bon, ok. Voilà.
pour avoir le même système. Puis si t'arrives à avoir un système qui permet de bloquer certaines parties puis d'embrayer sur d'autres, bah, tu peux avoir un système avec plusieurs rapports de vitesse ici. D'accord? Si t'es capable de passer de cette configuration-là à genre je fais tourner ça là. Bon, il vient de tout péter là, mon affaire. Mais tu peux avoir... Ça, en fait, c'est une boîte de vitesse à 3 vitesses. Ok. D'accord. Dépendamment de où est-ce que tu vas embrayer puis débrayer. En fait, c'est même une boîte de vitesse à 2 vitesses puis un reculon. Juste avec ça, on pourrait faire. Donc c'est le même système, faut juste que tu bloques puis que tu mettes la vitesse à l'entrée puis la sortie un peu ailleurs. Ok. Merci, Sébastien. Bon. Fait que on continue ça demain. Aglaé, au revoir. Aglaé, au revoir. Julien. Pas d'autres questions? Moi j'en ai une. Vas-y. C'est pour le troisième document, l'exercice 3. Question 3. 3, j'ai. Ok, c'est bon. Je quitte ça. Troisième, c'est. C'est 8. Ah. C'est ça, ouais. Lequel? Ok, le troisième. Dans le fond, à la première question, quand il demande le type de courroie, moi j'ai écrit L, mais quand j'ai regardé votre graphique, je comprends pas c'est quoi la délimitation entre L et T10. Je vais l'ouvrir. Littérature. ok, c'est ça. Oh, shit. Ça. Pourquoi c'est pas? Ok. Je vais virer ça. Le service. Ok, sélection ici. Ok. Attends, je vais annoter. Ok. Oh putain, je ne peux pas faire ça en fait. C'est ici. Ici, on a la délimitation MXL. D'accord. Donc, mettons que si on avait cette configuration-là, tu serais dans le MXL. Si on augmente la vitesse, tu passerais ici. Si on augmente la vitesse, si on augmente la puissance, tu passes, etc. etc. D'accord. Ouais. Donc je me rappelle plus, c'était quoi les conditions pour nous On avait un. 500 watts, genre. Ouais, 500 watts, puis 0.5. 0.5, 70. Fait que 0.5, ici. Puis 870. Oh shit. 870, donc on serait par là en plein dans le L. Mais mettons, le T10, on aurait été où? Ouais, T10, c'est la même chose. C'est les mêmes types de courroies, ça. C'est L, L, T10. Ouais, exactement. D'accord. C'est juste plus chiant à trouver, là. L, MXL, ça. Nord-Amérique, c'est facile à trouver, ça. Ok. Après, mettons, dans la question 3, quand il demande de déterminer la largeur de la courroie, il y a comme un petit tableau. Ouais. Ça veut dire quoi? Dans belt wide, ça veut dire quoi une nominale? Nominale. Table 28. C'est un peu plus bas, je pense. C'est quand on demande d'être. Ici. Table 28. Ah, c'est les numéros, je pense, qu'ils ont utilisé. D'accord? Oh, okay, oui, donc, si on va dans les. Ici, là. La L, parce que ça c'était L, d'accord.
avait okay. pris 14 dents. Ouais, ok, ici, le nominal weight of belts, c'est une 100. Ok, d'accord? Ouais. Ok. Bon. Donc en fait, c'est un pouce probablement. Hein. Puis pourquoi est-ce qu'on a fait le calcul, puis on n'a pas juste utilisé le tableau, justement, de la table 28? Ouais, j'ai utilisé la table 28. Table 28, pardon. Ok, on est obligé de calculer avec la formule en haut. Oui. Si, attends, voir. Quel calcul? Pour la largeur? Ouais. Oui. Ouais, parce qu'en fait, il faut que... Donc là, toi, si on regarde notre tableau là, on avait dit 870, et il fallait... Ouais, c'est ça. Donc on avait en fait à peu près 0.47 kilowatts supportés. D'accord? Mais à ça, il y a des facteurs qui s'appliquent. D'accord? Donc même si on avait 0.47, puis qu'on est quand même proche de 0.5, on se rend compte que ça arrive quand même loin de une seule courroie. Okay. Donc on avait notre design power, je ne sais plus c'était combien. Je sais plus. Ça nous donnait le facteur correctif pour la largeur, KB. KB, on l'a trouvé où déjà? Ah oui, c'était là-dedans. Ouais. Oui, ok. Vous l'avez fait avec cette formule-là, j'imagine? Ouais, le BW prime. Oh, shit. Ouais, c'est ça. C'est pas le bon côté. Ouais, effectivement, dans ce cas-là, cette formule-là, ce facteur-là, je pense pas qu'il va être utile. Ça, c'est plus pour vérifier. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'utilise celle-là, moi. Okay. Mais ça fonctionne très bien. Ok, donc là, j'ai pas fait les deux méthodes? Non, mais c'est pas non. grave. Ok. Donc en fait, on peut calculer directement la largeur ici de la courroie. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur au-dessus. D'accord? Donc si vous aviez trouvé qu'il fallait du, 26 mm de largeur, ben en fait, il faudra forcément prendre une 38.1. Là. Ouais, ok. D'accord? Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut revérifier, mais théoriquement, ça devrait fonctionner, là, avec ce facteur correctif. Là. Dans la formule du BW', qui est la largeur, PD, ouais. C'est 500 watts ou c'est 497 qu'il faut prendre? Je pense que c'est même plus que ça. On ne donnait pas un facteur de puissance. Ça se peut. Non, il n'y en a pas. Ah ouais, non. Rapport de réduction. Ah non, ok, oui, on prend 500 parce que je vous ai donné directement la puissance en service, le design power. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Sinon, il aurait fallu prendre le... Ouais, exactement, il aurait fallu calculer à partir du premier tableau, là. Il aurait fallu calculer la puissance de service à partir de la même chose qu'on faisait avant, là. Le nombre d'heures, puis le type de machine, le type de moteur électrique, on aurait trouvé un KS, là, puis on aurait calculé la puissance de service. Mais là, c'est compliqué parce que chaque type de courroie a son propre facteur de service. Fait que là, il aurait fallu savoir d'abord est-ce qu'on voulait une L, à retourner dans l'autre tableau, regarder si ça fonctionnait, ça aurait été chiant. Donc là, je vous ai donné directement le facteur de service. Ok, c'est gentil. Puis sinon, ouais. PS, référence, ok, donc ça c'était ici. Ah ok, donc c'était le 0.47. KM, on l'a calculé avec cette formule-là. Puis vu que c'était le même rapport, c'était facile si c'était 0. Donc on avait genre 180 là, etc. Mais mettons, pour le 0.47, là, si on avait eu un RPM de 880, ouais. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu peux interpoler entre les deux valeurs. 870, 950, tu peux faire une interpolation linéaire au pire, ou garder 870, ou alors prendre plus gros pour surdimensionner un petit peu, ou pardon, plus petit pour surdimensionner un peu. Si tu prends 870, tu vois qu'elle supporte moins, donc c'est-à-dire que tu vas comme surdimensionner ton système. C'est toujours mieux de prendre un petit peu des valeurs un peu plus faibles que ce qu'est la réalité, comme ça, tu surdimensionnes ton système un peu. Ok. Puis, j'ai une dernière question. Pour le numéro 4, pour trouver la longueur minimale, je comprends pas comment la trouver parce que dans toutes les formules qu'on a,
il faut avoir les diamètres du mené et du menant, mais je comprends pas, nous, où est-ce qu'on a cette information dans les dans le problème? Ben, t'en as pas vraiment besoin ici. Parce que, je sais pas si la formule est ici. C'est un petit cas particulier, là. Mais, étant donné que c'est un rapport de 1, elles ont la même valeur. Ah, ben oui. Donc ça, c'est simplement... Ben, quoi que s'il le faut, quand même. D'ailleurs, on l'a pas mis. Ah, ben, on l'a... Non, OK, on l'a déterminé. On l'a déterminé. À la question 2, on a déterminé le nombre de dents. Oui. Minimum, d'accord. Donc, on avait besoin de 14 dents au minimum, je pense. Oui. Donc, il faut être supérieur à 14, donc 15. Puis, en fait, c'était on avait 12. Besoin de 12 dents, donc on va à 14. Ah, oh, OK. Puis, si on regarde juste en dessous, là, ça nous donne le diamètre primitif pour cet engrenage-là. Ok, ouais. Donc là, on a 42,45 de diamètre. Ok, je comprends. Ah, c'est de là qu'il vient, il n'y a pas eu quelqu'un. Ouais. Non. C'est beaucoup de lectures de tableaux, là. C'est souvent ça, hein, quand on cherche à dimensionner quelque chose, il y a des valeurs d'un peu partout, là. Puis. Mais c'est juste pour vous habituer un peu, là. Ça se peut que, dépendamment du domaine de mécanique que vous faites, vous n'ayez jamais à faire ça. Ben, tu sais, c'est pas bien, bien compliqué, là. Mais c'est sûr que si tu dimensionnes une... Si tu conçois une usine ou des affaires de même, ben, tu vas probablement avoir plein d'éléments là-dedans. Fait. Tu risques de tomber nécessairement là-dedans. Mais encore une fois, vous pouvez avoir des consultants un petit peu dans les entreprises, là, puis qui vous aident à chaque fois que vous avez besoin de dimensionner quelque chose aussi. Tout est possible. Ok, merci. C'est beau? Moi, j'ai une autre question sur ce numéro-là, dernier. Oui. Vas-y. Dans le fond, le point... 6, là, il demande de dimensionner les trous oblongs. Moi, ouais. Je savais pas c'était quoi des trous oblongs. des trous oblongs? Vous avez pas vu ça en dessin? Dans vos cours de dessin? C'est ça. J'ai trouvé des dimensions, mais c'était comme CI puis CS. Non, en fait... Que je savais pas. Ouais, trop. OK. Tous les passages de... Ben, en fait, la base des moteurs, on a des... Je vais dessiner. Découvert la notation. Pourquoi je peux pas noter, hein? Okay. Pour la base des moteurs, on a ce genre de trou là. Ce que ça permet de faire, c'est que ça te permet d'obtenir ce point là. Mettons que tu as ton autre point de référence avec ton. C'est quoi qu'on avait là? Ben, l'autre poulie et puis notre base de moteur ici. Donc ça, mettons que c'est la distance d'entraxe, C. Ça, c'était notre jeu d'installation. Et puis ça, c'était notre jeu de serrage. D'accord? Donc en fait, ça va définir les dimensions ici, la taille minimum que tu vas avoir pour ton trou oblong. Là, je ne voulais pas nécessairement le diamètre ou quoi que ce soit, je voulais juste la taille de la rainure. J'aurais pu passer une rainure ou... Ok, mais on trouvait ça dans les tableaux? Ouais, à la suite, là. Je vais remontrer ça. Là, en fait, je pense que je vous laissais chercher. Je n'avais pas mon indication, là. Mais je me dis qu'il y avait comme 4 pages dans ce document-là. Bon, avec beaucoup de tableaux, j'avoue. Là. Ici, on a la distance d'entraxe, d'accord, qui arrive jusque-là. Puis là, tu as ton jeu pour le positionnement. Puis, si on t'a, puis là, tu as ton jeu de... desserrage. Moi, c'est ça que j'avais trouvé, mais ça donnait, je pense, ben, 10 puis 25, là, ça, c'est que j'avais trouvé. Ouais, pour une L. C'était 10 puis 30. Ouais, pour une L, on avait une longueur de... c'est combien? Ouais, 1600. Ouais. Ah oui, effectivement, ouais, je peux... Ouais, 1600, c'est ça, 1633, je pense. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ouais, effectivement. Ça me donnait 10, puis le 25, je ouais. pense. Ouais, 25, ouais. Pourquoi j'ai monté à 30. Ok. Bah, pour moi, dans ma tête, je pense que 1600 était compris entre 1750 puis 2000, parce que je me rappelle vraiment avoir peut-être. Quand même eu ça. Fait que, ouais, je pense que c'était... je vous ai dit, je suis fatigué.
Ça, il y a plein de trucs qui se produisent dans ma tête là, qui sont pas normales. Ouais, effectivement, donc 25, t'as raison. Cool. Ok, parfait. Ben, merci. Plaisir. Je vais le changer dessus. Si vous avez d'autres questions? Il y avait 9. Good. Ok, si vous avez des questions, vous m'envoyez ça sur Discord, comme d'habitude. Puis,